Je les lance avec ça, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui les gars, on se pour une toute nouvelle vidéo sur du Fortnite Battle Royale. Aujourd'hui les gars, je commence cette vidéo en mode vlog. Ben oui les gars, ça change un petit peu. On va casser la routine des gameplays. Aujourd'hui les gars, il n'y aura pas de gameplay dans cette vidéo. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que tout simplement, le système de cadeaux est disponible depuis la dernière mise à jour. Et je me suis dit, je sais pas. Aujourd'hui j'avais envie de vous montrer mon casier, ce que je vais faire dans cette vidéo bien évidemment. Mais peut-être que je vais faire mon premier cadeau à mon petit frère. Enfin à l'un de mes petits frères, parce que oui, j'en ai beaucoup. Je me suis dit qu'aujourd'hui ça pourrait être cool que je filme en mode vlog. Donc voilà, j'espère que vous allez kiffer les gars, c'est vraiment le but. Même si pour les skins et pour mon casier je filmerai avec le gameplay, ne vous inquiétez pas, il y aura le fond vert, il y aura tout ce qu'il faut. Mais si vous voulez d'autres vlogs sur la chaîne, n'hésitez pas les gars à péter la barre des pouces bleus. Si je vois qu'on a 20 000 pouces bleus sur cette vidéo les gars, je vous fais un putain de vlog avec toute ma famille les gars. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour recevoir toutes les prochaines vidéos. On fait quand même une vidéo par jour, donc il faut être à l'affût, tu vois, il y a quand même pas mal de vidéos. Donc les gars, il faut s'abonner, activer la cloche pour recevoir la notif. Bah oui. Et pour obtenir les 800 000 abonnés le plus rapidement, ben oui. Bref, est-ce que vous êtes prêts pour le casier? Allez les gars, bon visionnage. Allez let's go les gars, on est sur Fortnite. Aujourd'hui je vais vous présenter tout mon casier. Oui, j'ai énormément de skins les gars. Je pense que vous allez être choqués par le nombre de skins que j'ai. Mon casier a bien évolué depuis la dernière vidéo casier que j'ai faite sur ma chaîne YouTube. Mais juste avant les gars, n'oubliez pas, boutique d'objets en bas à droite, vous avez soutenir un créateur, vous appuyez dessus, vous mettez Nextase, acceptez en haut à droite créateur soutenu et ça vous soutiendra dans la boutique. En tout cas merci à toutes les personnes qui le feront. Et si vous le faites pas les gars, ça va chier. Non, je compte sur vous les gars, merci à toutes les personnes qui le feront. Bref, on est parti les gars, casier et direct. Directement, on peut voir mon petit skin, le skin que j'aime, mon skin préféré. Mais est-ce que vous êtes prêts les gars? Est-ce que vous êtes réellement prêts? Allez 3, 2, let's go, c'est parti. Regardez-moi déjà tous ces premiers skins les gars, j'en ai énormément. Franchement ça fait trop plaisir, je kiffe mon casier. J'ai beaucoup beaucoup de skins, même si c'est vrai qu'il y a des skins voilà qui sont rares et que je n'ai pas. Je suis un petit peu dégoûté, mais au final ça va, je suis pas dépaysé. En tout cas les gars, directement premier skin, on peut voir le chevalier noir. Donc le skin palier 70, donc c'était le palier max de la saison 2. Du coup voilà le skin, ce skin voilà il est machin là, on va pas se mentir, pas beaucoup de personnes l'ont, enfin les anciens l'ont du coup. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous l'avez, le chevalier noir de la saison 2 les gars, parce qu'il y a que les anciens qui l'ont. Et aussi n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez plus de skins que moi, même si ça m'étonnerait, parce que oui je suis un pigeon, je fais partie de la team pigeon. On a le petit school trooper qui fait plaisir. Malheureusement les gars, je l'ai pas en violet. La première fois que le school trooper était dans la boutique les gars, je jouais à Fortnite mais malheureusement j'avais pas d'argent pour l'acheter. Du coup c'est pas grave, je l'ai quand même là, ça fait plaisir. On a la school trooper en meuf, du coup chasseuse au crâne qui est super stylé. Voilà mon skin préféré les gars, la joueuse décisive. On peut changer tout simplement toutes les couleurs, ça fait plaisir. Donc moi normalement je mets celle-là, mais bon là pour changer je la mets en noir, ça fait plaisir. Après il y a la frange, il y a franchement des couleurs sympas là, blanc, bleu, c'est stylé. En tout cas la joueuse décisive les gars, c'est mon skin préféré et je joue tout le temps avec. Après on a le skin Nextase, ben oui les gars, le skin Nextase, maître des sushis. Même si c'est vrai qu'en ce moment les gars, le petit bandeau on le met plus trop, mais il est toujours là, ne vous inquiétez pas, il est toujours là, je le remettrai peut-être un jour. Mais en tout cas j'ai pas envie de le mettre aujourd'hui. Du coup le maître des sushis, le skin Nextase, ce skin les gars, Madame Trèfle. Donc c'est le skin je pense le plus rare que j'ai sur mon compte, il est vraiment rare. Donc c'est un skin qui est sorti il me semble une fois. C'était juste pour la Saint-Patrick je crois, si je dis pas de conneries je crois que c'est ça. Du coup ça fait plaisir d'avoir un skin rare sur son compte. Ensuite on a directement Calamité, donc voilà le skin de la saison 6 qui fait plaisir. On a Carburo, on a chef de l'équipe rose, il fallait avoir sauvé le monde pour débloquer ce skin. On a la petite chevalette rouge qui est stylée les gars. Elle est stylée, mais je suis dégoûté qu'elle soit revenue parce que je l'avais. Je l'avais acheté directement quand elle est dans la boutique. Du coup, voilà, je suis un petit peu deg. On a le corbeau, on a aussi Criteria, on a experte des câlins, la guitariste qui était rare, mais qui est aussi revenue dans la boutique. Donc, je suis dégoûté. Les gars, je suis deg. Les skins étaient rares, mais ils sont revenus. Bon, je suis content un petit peu que le school trooper soit revenu, les gars. On va pas se mentir. Ensuite, on a Ime qui est revenu dans la boutique. Au début, on pouvait pas la personnaliser, mais au final, on peut tout simplement changer le casque si on peut l'enlever ou pas. On a homme poisson, les gars, me jugez pas. Les gars, me jugez pas. Je l'avais acheté à l'ancienne pour faire mon stream, parce que oui à l'ancienne les gars, tous les samedis matin, tous les dimanches matin j'étais là, nouveau skin sur Fortnite, il y avait tout le temps un nouveau skin et du coup c'est pour ça que j'avais acheté ce skin. On a le Joker qui est super super stylé, il a énormément de flow je trouve. L'implacable, le skin évolutif en game. On a le faucheur, le John Wick les gars, et oui le John Wick il est super stylé.
le liqueur les gars qui est hyper stylé. Même si j'ai pas encore terminé les défis hebdomadaires, il m'en manque quelques-uns. Il me manque une dizaine de défis hebdomadaires à faire. On a après tout simplement le Magnus, le petit viking qui fait plaisir, le molosse de guerre, patrouilleuse noire, peinture de guerre, Ragnarok, le rapace qui est stylé. Non, le rapace il est stylé les gars, c'était l'un des premiers skins qui était vraiment ouf. Voilà, il était ouf, il sortait du lot par rapport au premier skin qui était sorti sur Fortnite et ça fait plaisir de l'avoir. On a aussi Ravage, on a le Rex, on a Triceratop 1, Valkyrie, Valora, on a Voleur de cœur, Voyageur noir, on a Wukong, Agent d'élite. Bref, là on est terminé, on a terminé les gars les skins légendaires. Il y en a quand même beaucoup, il y en a beaucoup. L'agent rebelle, l'agent secret, l'aigle de la nuit, l'assaillant alpin, assaillant lapinesque. On a aussi Chaperon, Chasseresse, chef de section, la crépuscule. On a aussi Cucurbitacé, Cucurbitacé. Ah ouais, what the fuck, j'avais jamais lu le nom de ce skin, what the fuck mec. Cucurbitacé, ok ok ok. Dame d'acier, on a aussi détective privé que je trouve assez stylé, franchement j'aime bien, le flow du skin. On a le DJ Lama, l'épouvantail, l'experte de frisson, l'exploratrice lunaire, on a le fier destrier, la fonceuse, la fugitive qui était mon skin préféré pendant une grande partie tout simplement du jeu de Fortnite. Franchement je kiffe toujours ce skin, même si là les gars voilà ce skin, non c'est ma vie, c'est ma vie les gars, on va pas se mentir. Asivat, l'étoile occulte, l'Arzac, le faucon, ligne rouge, marteau pilon, mitrailleur fluo, roi de la rouille, softeuse, secrétaire de guerre, soldat à facettes. On a aussi le spationaute les gars, le typhon et le victorion, mais aussi Zoé. Et on a terminé les gars les skins épiques, j'en ai beaucoup les gars, regardez tous les skins épiques, tous les skins légendaires, c'est vraiment un truc de fou. Et on commence directement avec l'agent nocturne les gars, l'artificière qui est stylée. Elle est un petit peu rare, elle est revenue énormément, mais ça va, c'est pas oufissime. On a la bagarreuse, le bris-circuit, la chevaleresse qui fait plaisir. Je suis content vraiment les gars d'avoir obtenu déjà le chevalier noir de la saison 2, d'avoir obtenu tous les skins de la saison 2, parce que c'est des skins qui vont devenir rares au fur et à mesure des saisons, et ça ça fait plaisir. Le chopper, chroma, déchiffreuse, on a aussi le desperado, on a dribbleuse, écuyer bleu, force spéciale, fulgural, le petit mando les gars, le mando. Zéro absolu. Après on entame les gars les skins de rareté atypique. On a servivore, on a chauffard, on a fléchette, on a guerrière au sifflet qui est super belle, elle est trop belle celle-là aussi. Mercenaire pareil, je kiffe trop le flow. Mitrailleuse ça va aussi. On a nocturia, on a officier de garnison, pro de la jungle que j'aime énormément, protectrice écarlate que j'aime énormément. Franchement il y a des skins atypique que j'aime beaucoup. Renegade, on a aussi soldat, on a tacticienne, on a tireur des gratte-ciel et on a les gars traqueuse urbaine. Donc voilà, c'est tout du coup pour mes skins. Mettez-moi en commentaire les gars si vous avez plus de skins que moi. Mettez-moi en commentaire si vous avez un skin que vous n'avez pas sur votre compte mais que vous avez flashé sur mon compte. Du coup voilà, c'est terminé les gars pour mon casier. Maintenant j'hésite à faire quelque chose, mon premier cadeau les gars. Les gars, j'ai longtemps hésité mais je pense que je vais vraiment lui faire cadeau du skin corbeau, parce que voilà, je lui avais vendu en vidéo et j'ai envie quand même de me faire pardonner et du coup de lui rendre. Je pense qu'on va le faire maintenant, on va voir sa réaction. Et du coup ça va être mon premier cadeau sur Fortnite, le premier cadeau que j'ai envoyé. Tu vois, c'est moi qui fais des cadeaux, c'est pas moi qui en reçois, je suis dégoûté. Let's fucking go les gars, on est parti avec le petit clavier, la petite souris qui est vraiment stylée. On est parti les gars, j'ai tout simplement 9450 V-Bucks. On va lui acheter du coup le skin corbeau, on va lui faire cadeau et j'espère qu'il sera content. Allez les gars, c'est parti, faire cadeau. Il est où, il est où, il a Phaetic Exeos. Continuez. Attends, attends, on va lui mettre un petit message de troll. Voilà les gars, je suis meilleur que toi, le petit message. On va lui mettre du coup le petit cadeau rouge, parce que rouge c'est sa couleur préférée. Et aïe 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 les gars, le premier cadeau. 3, 2, 1, let's go. C'est parti, envoie du cadeau. Et du coup ça devrait le faire. On va attendre sa réaction, normalement il est à côté. Et du coup c'est bon, réussi les gars. Réussi, oh. Qu'est-ce qu'il y a? Attendez, attendez les gars, go go go. Oh mec, ça va? Mec, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a mec? Alors? Eh ben alors mec, attends. Eh ben alors mec, oh là là, attends. Vous avez reçu un cadeau de Nextasayan, le petit message personnalisé. Je suis meilleur que toi. Je suis meilleur que toi sur Fortnite mon gars. Et oui du coup, attends, directement avant d'ouvrir, je tenais à te dire en gros comme quoi, ben tu sais très bien qu'on a fait des vidéos où j'avais vendu tes skins, t'avais vendu certains de mes skins etc, préférés même. Et du coup
je me suis dit, bon, il faut que je me fasse pardonner. Et aujourd'hui, je pense que c'est le moment, du coup, bah, de te faire plaisir. Et du coup, je t'ai fait un petit cadeau. Je voulais tester aussi les cadeaux. Tu peux ouvrir, mec, c'est parti. Let's go. Mec, et let's go, mec, le petit corbeau. Le corbeau, mon gars, je te l'ai balancé. Et oui, Nextasen nous envoie un cadeau. Je suis meilleur que toi, le corbeau, mec. Mais c'est mon signe préféré. Vraiment? Bah t'es trop content ou pas en vrai? Ouais, bon. Et ouais, je me suis dit, bah, mec. Tu l'avais vendu quand même. Et oui, tu l'avais vendu, mec. J'avais vendu son skin préféré en vidéo, les gars. Du coup, je me suis dit, vu qu'il est dans la boutique, let's go, c'est le moment de se faire pardonner quand même. Bah oui. Du coup, let's go, les gars. Il est là, le petit skin corbeau, les gars. En vrai, il est trop stylé, non, mec. Oh, le corbeau, vas-y, fais voir le corbeau, mec. En vrai, les gars, même s'il est pas super, super rare, il est quand même hyper, hyper badass. On va pas se mentir, il a du flow. Et j'ai un autre cadeau à toi, Pam. Un autre cadeau à te faire, là, au calme, pour ce soir. Est-ce que ça dit qu'on mange McDo? T'es chaud ou pas? En vrai, est-ce que t'es chaud de manger McDo? Ok, 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 les gars, ok. Du coup, les gars, je vais offrir le petit skin corbeau. Mais aussi, je vais lui payer le petit McDo, histoire de lui faire plaisir et de me faire plaisir. Comme ça, bah, tout le monde sera content. Et du coup, fais voir le corbeau, mec. Fais-le voir, fais-le. Oh, mec, tous les skins. Oh, what the fuck. Mais attends, mais t'es blindé, en fait. J'en ai pas beaucoup, regarde. Mais quoi? Mais quoi? Vas-y, fais voir les skins, mec. What the fuck, regarde tous les skins qu'il y a, mec. What? C'est quoi ce délire, mec? Oh mon dieu, mec, moi j'ai montré mon casier. J'en ai beaucoup. Mais toi, t'en as beaucoup de ouf aussi. Ouais, mais oh là là. Qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il y a? Ces skins là? Ouais. C'est pas moi qui les ai achetés, c'est avec la carte de Nextase. C'est bon en plus. C'est toi qui as acheté les vidéos. Parce que moi, les gars, regarde, j'ai acheté que ce skin moi avec mon argent. J'ai acheté que ce skin. Putain de merde, c'est grave. C'est grave, c'est grave. En plus, c'est bientôt Noël, mec. C'est bientôt Noël et tout. Oh là 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 là. Mais du coup, attends. Si les skins de Noël reviennent, est-ce que t'en veux, franchement? Moi, mec, la pioche là. La pioche? Comme Sifu, il prenait là avant. Ok, ok. Le bâton de truc là. Ok, ben moi, mec, les skins de Noël, ça va charbonner la carte bancaire, mon gars. Oh là là, les skins de Noël, les gars, je vais tous les acheter. Du coup, franchement, t'as des beaux skins. T'as de très beaux skins, t'en as beaucoup. Et du coup, ça fait plaisir. N'hésitez pas à me dire en commentaire, les gars, si vous trouvez qu'il en a beaucoup, parce que moi je trouve quand même qu'il y en a pas mal. Du coup voilà, même s'il a changé sa résolution et du coup c'est pas pareil au niveau voilà, c'est pas pareil au niveau tout simplement de la mise en place des skins, mais du coup t'en as vraiment beaucoup. Du coup, le corbeau, mec, le corbeau, mon gars. Oh là là, le corbeau. En plus, attends, t'avais pas assez? Ben oui, 0 V-Bucks. Ah ouais, mec, parce qu'il avait acheté ça. Oh là là, il avait 0 V-Bucks, les gars. Ah ouais, c'était la crise. Sur ma play, j'en ai, mais sur PC, ça se transfère pas. Et ouais, je sais ça. Ouais, même moi, j'en ai un petit peu sur play. Du coup, bah voilà, j'espère que ça te fait plaisir. Est-ce que t'es content au moins? Ça fait plaisir, le petit corbeau, du coup, qui a obtenu. Et voilà, bah moi, j'ai plus d'autre à vous dire. J'espère, bah, que du coup, que cette vidéo vous a plu. Du coup, les gars, c'est la fin de cette vidéo. N'oubliez pas d'exploser la barre des pouces bleus, comme d'habitude. Abonnez-vous et activez la cloche des notifications. Je suis un petit peu dégoûté par rapport au système de cadeaux. J'aurais bien aimé, les gars, envoyer tout simplement des cadeaux. Des skins qu'on possédait déjà, c'est-à-dire comme des skins de Noël, comme la Renegade Rider, etc., etc. Des skins vraiment rares. Et du coup, c'est assez dommage. Vas-y, qu'est-ce qu'il y a? Oh là 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 là! Attends, créateur soutenu Nextase, les gars, faites pareil, lui c'est un bon! Mais comme je vous l'ai expliqué, les gars, j'espère que ce système de cadeaux va un petit peu changer, qu'on pourra envoyer des skins rares qui sont pas dans la boutique. Mais bon, c'est vrai que voilà, ça se comprend, ils veulent pas niquer tout simplement le système de skins, etc., etc. Mais bon, en tout cas, les gars, n'oubliez pas d'exposer la barre des likes, comme je vous l'ai expliqué, abonnez-vous, activez la cloche de notif, c'était Nextase et mini Nextase, il va se manger un petit McDo après, il va se mettre bien, les gars, ben oui, il va se mettre bien! En tout cas, il va jouer avec le Raven. Le Raven pour le retour. Le retour du corbeau, les gars. Allez, c'était Nextase. À demain pour une vidéo. Je vous aime. Peace.